Voilà, eh bien bonjour sur la chaîne Tamiakit. Voilà, je voulais vous présenter une pancarte 1/12e de chez QSO. Donc ça c'est aussi un projet que j'avais en cours. Donc c'est assez particulier, c'est une pancarte 1/12e de chez QSO, la Spada, et qui ressemble tout à fait à une 1/8e piste avec la carreau profilée style Lola. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais vous montrer la carrosserie, donc qui est à peindre. Voilà. Donc, carrosserie en pancart, stade traditionnel. En 1/12e. Et là, je vais vous montrer le châssis. Donc, on a un petit châssis 1/12e avec un moteur. Avec un moteur Sirio, donc une bonne marque de moteur. Boîte de vitesse, de rapport automatique. Donc là, elle est en assemblage. Donc je l'ai acheté en kit. Pneu mousse. Je vous montre le train avant. Ensuite, le train arrière. Donc c'est une vraie, vraie. Comme une vraie piste en 1/8e, quoi, mais en 1/12e. Donc le moteur c'est 1,5 cm3, fonctionnant en nitrométhane, avec donc il faut un bon démarrage pour le faire démarrer. Donc il n'y a pas de tirette, c'est vraiment une petite voiture de compétition en 1/12e. Voilà le châssis. Donc c'est un modèle assez particulier. Hein. Il ne doit plus en rester beaucoup non plus. Là vous voyez il y a frein disque. Sais pas si on le voit bien. Je sais que mon éclairage est pas top top. Je vais investir dans l'éclairage. Je vous montre un petit peu le tour comme ça. Petit réservoir, filtre à air, culasse, échappement. Donc elle a vraiment le look d'une vraie mini piste 1/8e avec une roue libre à l'avant. Donc il n'y a pas de différentiel. Donc sa motrice à l'accélération pour freinage les roues avant sont libres. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et puis derrière, on a je mets un petit peu d'éclairage, un diff à billes. Hein. Donc il n'y a pas d'amortisseur. Des légers petits ressorts à l'arrière, mais il y a très très peu d'amortissement, hein. C'est vraiment des tout petits ressorts. Je sais pas si voilà, je crois qu'on voit pas tellement, c'est tellement petit, mais un peu comme voilà. Là, on voit le train avant, un peu comme une Formule 1, hein. Mais c'est vraiment une jolie petite construction de chez QSO. Donc c'est le modèle Spada. Là, il faut encore servo de direction, récepteur. Là, j'ai encore rien monté. Peinture carrosserie. Mais il faudra la faire tourner. Mais c'est vrai que c'est un modèle très particulier. Alors, si dans les commentaires quelqu'un connaît ce modèle, ben, je veux bien avoir des infos là-dessus aussi. S'ils ont fait des championnats et tout. Mais c'est vraiment un petit modèle particulier, mais très sympa. Hein. Vraiment comme une piste. Un 1/8e, mais en beaucoup plus petit. Je vous remets la carrosserie. Je ne sais pas si vous avez vu avant, encore une fois, un peu la mécanique. Excusez-moi, je suis en train de tout déplacer. Donc on voit bien la transmission là, avec la boîte de vitesse, réservoir.
La courroie, oui, c'est une transmission en courroie. Là, vous avez la courroie qui va à l'avant. Et puis la courroie depuis la boîte qui va sur le, la pignonnerie arrière, donc sur la transmission arrière. Donc elle est montée entièrement sur roulement. Ouais, c'est vraiment très chouette, très particulier. Voilà, écoutez, c'était une petite présentation. Je voulais bien vous remercier d'avoir visionné cette petite vidéo. Si ça vous plaît, faites des commentaires, lâchez des pouces. Et abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et puis encore un grand merci à tout le monde pour votre soutien. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci.